Mes chers amis, connaissez-vous le gland et la citrouille? C'est une fable de Jean de La Fontaine. Elle raconte l'histoire d'un villageois nommé Garo. Il se baladait dans la nature. Il aperçoit une citrouille et se met à réfléchir. Comment un fruit aussi volumineux peut-il être produit par un arbuste aussi menu? À quoi donc pensait le Créateur au moment où il organisait sa créature? À sa place, j'aurais pendu la citrouille au grand chêne que je vois là-bas. Et comme le gland n'est pas plus gros que mon petit doigt, je l'aurais attribué à l'arbuste. Tel fruit, tel arbre, déclara-t-il avec beaucoup de fierté. Comme vous l'imaginez, cette réflexion l'a épuisé. Il va donc s'allonger sous le chêne pour se reposer. Alors qu'il dormait, il est brutalement réveillé par une douleur intense. Il porte la main au visage. C'est un gland qui s'était détaché de l'arbre. Il lui était tombé sur le nez avant de s'attacher au poil de son menton. Son nez saignait. Oh, je l'ai échappé belle. Qu'est-ce que cela aurait été si à la place du gland, le fruit du chêne avait été la citrouille? Après cette expérience, Garo rentra chez lui en se disant: Assurément, Dieu fait bien ce qu'il fait. Chers amis, cette histoire est certes amusante. Cependant, elle ne nous fait pas oublier que nous traversons une situation inédite et épouvante. Elle est d'autant plus éprouvante que nous ne savons pas quand elle prendra fin. Face à l'inconnu, il nous arrive de sombrer dans le doute, de nous laisser emporter par la colère, la révolte. Et nous cherchons un coupable, des coupables. Qui a péché pour déclencher un tel virus? C'est alors que nous rattrape cette parole de la première épître de Pierre, chapitre 3, au verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Pierre voulait montrer à ses destinataires les conséquences pratiques de la vie de foi et la manière d'affronter les épreuves. Il nous fait entrevoir ainsi
certains des paradoxes de Dieu. Et nous nous interrogeons. Comment Dieu a-t-il pu laisser son Fils traverser ce chemin de souffrance qui l'a conduit à la croix? Fallait-il qu'il se serve de la mort de son bien-aimé pour nous amener à lui? Ces questions nous rapprochent de Garot, le personnage de La Fontaine. Souvent, nous nous attribuons nos réussites et nous rendons Dieu responsable de tous les désagréments de notre vie. Nous souhaitons qu'il s'explique, se justifie devant nous. Riche ou pauvre, le COVID-19 n'épargne personne. Nous ne le voyons pas, mais nous le subissons. Il frappe sans discrimination. Palais ou taudis, il entre partout. Tous les secteurs de nos sociétés dites modernes sont paralysés et les puissances aplaties. Alors, que faire? L'apôtre Pierre cherche à nous faire comprendre aussi que Dieu est souverain. Nous devons donc lui faire confiance. Cette confiance passe par une prise de conscience. Au-dessus de tout ce que nous avons érigé comme idole ou divinité, il existe une puissance. En Évé et en Mina, nous l'appelons Mahou. Savez-vous qu'il exprime mieux la réalité que le français désigne par le mot Dieu? On pourrait le traduire par celui au-dessus de qui il n'existe rien. Ou encore, celui que personne ne peut surpasser. Chers amis, qu'avons-nous donc d'autre à faire, sinon marcher avec lui en toute humilité? Notre confinement nous oblige à des renoncements. Nous pouvons l'assimiler à une traversée du désert. Oui, le désert, il est synonyme de silence, de vide, de manque. Une retraite pour entendre ou réentendre, par exemple, ce que notre Mahou nous dit par la voix du prophète Ésaïe. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Si Dieu nous permet de traverser ce désert, c'est pour nous éprouver, connaître ce qui est dans notre cœur et nous faire du bien à la fin. C'est le moyen qu'il avait choisi pour montrer au peuple d'Israël son amour et sa fidélité en le conduisant vers la terre promise. Il y a quelques jours, nous fêtions Pâques, la résurrection de Jésus, son relèvement, sa victoire sur la mort,
le signe d'un nouveau jour. Utilisons donc notre temps de pause pour rechercher encore et encore sa présence dans la prière, pour aller à la source d'eau vive, la bonne nouvelle. Elle est force et puissance de vie. Cette puissance agit, elle transforme. Alors, ma sœur, mon frère, tu te sens seul, épuisé, comme un petit enfant, laisse ta main dans celle de notre Père. Il te connaissait avant même que tu n'aies été conçu. Il est plein d'amour. Abandonne-toi à lui. Seul, il a le secret pour te faire traverser les eaux, le feu. Pour terminer cette exhortation, je vous invite à chanter avec moi, si vous la connaissez, la deuxième strophe du cantique 479 dans Hajigbale. Les phrases choisies par le compositeur me semblent très significatives de notre mise en route avec Dieu pour un nouveau départ. Dans l'abandon, en toute confiance. Rendons présent à notre esprit chaque mot, comme une prière. L'édéracine naklom fiam lesit masu bo Nea Wa me, wa to do me, wa to do me, give me my time.
Quoi te tourner?